Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien dans cette période de confinement. Aujourd'hui, on va essayer de faire une recette assez simple qui marche toujours et qu'on peut adapter avec tous les légumes de saison. On va faire un velouté de manière assez simple et on va y intégrer dedans au choix ou de la vanille ou des épices, que ce soit du gingembre, de la cannelle ou des épices frais comme ici du galanga. Alors pour cette recette, évidemment le légume de base, aujourd'hui on a de la carotte, mais on peut aussi très bien l'appliquer avec ici un butternut. J'utilise toujours un oignon dans les veloutés, une base de beurre, un petit peu de lait et après les épices qu'on veut intégrer à notre recette. Donc nous avons de la vanille en poudre ou sinon du safran ou un peu de cannelle ou encore du galanga. Alors, pour le taillage des légumes, une fois qu'on les a épluchés, on va tailler en paysanne, donc assez grossièrement les légumes. On fait toujours bien attention à ses doigts au niveau du positionnement. On fait 5-6 petites entailles verticales dans l'oignon coupé en deux au préalable, puis une autre entaille horizontale. Et enfin, quand on va retailler notre foie verticalement, nous allons obtenir des cubes assez irréguliers, mais pas trop gros. Pareil pour la carotte, une taille qu'on appelle paysanne aussi. On coupe d'abord la carotte en deux. On vient la recouper encore une fois en deux dans la longueur. Toujours en faisant attention à ses doigts. Alors, pour la recette, un petit peu d'huile d'olive bio. On met à chauffer doucement les oignons qu'on va d'abord faire suer, c'est-à-dire qu'en fait on va les faire cuire assez doucement et on va les faire cuire avec un petit peu de sel pour sortir l'eau de végétation. Donc après quelques minutes à feu doux, les oignons ont commencé à caraméliser et c'est le moment d'y ajouter les carottes. Et même procédé, on va rajouter un peu de sel et on va aussi sortir l'eau de végétation de nos carottes. Après quelques minutes de cuisson sans cesser de remuer, on ajoute un petit peu de beurre. Comptez une trentaine de grammes. Ça va aider à attendrir les légumes pour après les cuire bien afin de les mixer en velouté. Au bout de quelques minutes de cuisson, le beurre est bien mélangé aux légumes qui ont d'ailleurs commencé à confire un petit peu. C'est le moment où on va intégrer l'épice de notre choix. Donc pour nous, ce sera un peu de vanille en poudre pour avoir un peu plus de douceur encore. Mais encore une fois, chacun peut le faire avec les épices de son choix à la maison et on adapte en fonction de ses goûts. On mélange bien et on va laisser cuire ça 2-3 minutes de plus histoire que les épices cuisent un peu et développent plus d'arômes. Voilà, 2-3 minutes de cuisson du coup pour libérer les arômes des épices. Et maintenant, on va mouiller. C'est comme ça qu'on appelle ça en cuisine. C'est quand on verse un liquide sur un ingrédient qu'on veut cuire. Ça, souvent pour faire des veloutés, des soupes ou des plats en sauce. Et donc là, on va mouiller à hauteur, c'est-à-dire recouvrir juste un tout petit peu plus que le niveau des légumes à cuire. Et après, on peut porter à ébullition. Au bout de 15 minutes de cuisson à peu près, à petit bouillon, les légumes sont parfaitement cuits. On va pouvoir maintenant mixer le tout pour obtenir notre velouté. Bon, on va maintenant voir les différentes techniques de cuisson des œufs. On va commencer par un œuf mollet et on verra après un œuf poché et on verra plus tard d'autres façons de faire les œufs. Pour l'œuf mollet, on part sur une casserole d'eau bouillante, un volume d'eau assez important par rapport à l'œuf à cuire. Et du coup, très important, un œuf pas cassé, pas fêlé, parfaitement intact. Et c'est parti pour 5 minutes 30. Après 5 minutes 30, notre œuf est parfaitement cuit. Il est temps maintenant d'arrêter directement la cuisson en le plongeant dans un bol d'eau froide.
Maintenant, afin d'enlever facilement la coquille de l'œuf mollet, on le casse délicatement en plusieurs petits endroits afin de faire des petits éclats. Et ensuite, pour enlever facilement la coquille, il est plus simple de le replonger dans l'eau parce que l'eau va s'infiltrer entre la coquille et l'œuf cuit. Et dans ce cas, nous pouvons facilement écaler l'œuf. Et maintenant, pour l'œuf poché, il nous faut un œuf frais, un petit récipient à peine plus grand que la taille d'un œuf. On ouvre délicatement l'œuf et ensuite une eau frémissante. Pas de forte ébullition, sinon l'œuf va s'éparpiller partout dans la casserole et si c'est pas suffisamment chaud, l'œuf ne cuira pas. Et on vient la poser délicatement. Et maintenant, notre travail consiste à essayer de ramener toutes les parties de l'œuf au centre. Il y aura à peu près 1 minute 30 à 2 minutes de cuisson. Ça, c'est plus une question de feeling. Après 1 minute 30 de cuisson à peu près, notre œuf poché est quasiment cuit. Le jaune est encore très moelleux coulant et le blanc est coagulé. On peut le sortir et le poser délicatement sur un papier absorbant. Et donc là, notre œuf mollet au milieu du velouté. Et ici, l'œuf poché, un poil moins cuit que l'œuf mollet.